Aujourd'hui, honnêtement, il y a des femmes qui sont un peu, j'ai pas envie de te dire hystériques, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent encore, qui militent. Je suis désolé, mais aujourd'hui, la femme, elle a les mêmes droits que les hommes. Ah oui, elle a les mêmes droits que les hommes. Bref. Quand j'ai la presse, il n'y a que des viols et des agressions. Et quand c'est le téléphone, c'est du harcèlement. J'aimerais sortir comme ça. Et en réalité, je sors comme ça. Parce que j'ai peur, peur qu'il m'arrive ça. Hé, coucou! Oh, allez, tu peux me parler, non? Oh, allez, on peut s'amuser tous les deux, quoi, t'as pas envie? Oh, t'as vu comment t'habiller? C'est vrai que ouais, on est vachement loin de l'égalité quand même, parce que entre l'harcèlement de rue, le fait qu'on ait peur en rentrant chez nous le soir, les viols, les harcèlements sur les réseaux sociaux, au travail, et j'en passe, vraiment, c'est beaucoup trop. Anthea, tu me dis ça à moi, mais c'est pas ma faute. C'est pas ta faute. Franchement, je pourrais au moins essayer de changer de mentalité, façon de penser, de t'exprimer, avoir au minimum un peu de respect, essayer de je sais pas, de comprendre les gens et ce que vivent les gens aussi. Changer tes manières et ton esprit étriqué. Bref, ça doit changer.